Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Marvel Future Révolution. Ils nous ont annoncé une bonne nouvelle concernant la sortie globale. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il nous faut un VPN pour pouvoir jouer au jeu, enfin, plus précisément à la version australienne, canadienne et américaine. Vous savez que si vous jouez dès maintenant, si vous jouez dès maintenant, ben, faudra obligatoirement un pas un VPN. Enfin, à l'heure actuelle, on n'a plus besoin de VPN pour pouvoir y jouer. Mais il faudra recommencer le jeu à sa sortie globale, vu que là, on est sur le serveur américain. Vous voyez qu'on peut changer de région. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Il y a également possibilité d'envoyer un petit commentaire parce qu'en ce moment je vois pas plus d'un ou deux commentaires sur mes vidéos alors que j'ai 500, 600, 700 vues. Les gars, s'il vous plaît, je réponds aux trois quarts des messages. Je vois tous les messages. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Soutenez-moi un maximum. Vous savez que pour être mieux référencié, il faut pas seulement like, mais il faut également commenter. Soutenez-moi, ça me ferait plaisir. Et ne vous inquiétez pas. Concernant Pokémon Unite et les nouveaux jeux, je compte bientôt reprendre à plein temps les vidéos. C'est juste qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose en termes de jeux vidéo. Et My Hero Academia, il n'y a pas beaucoup de contenu en ce moment pour pouvoir en parler en vidéo. Même pour faire des showcases ou quoi, vu que le PVP, c'est du full maxé. Du coup, je peux pas faire grand-chose. Sur ce, les amis, Fantasque. Le jeu est prévu. Le jeu est bien sûr prévu pour le mois prochain, exactement le 25 août. Ils l'ont annoncé il y a environ 1 heure de cela. Il est à l'heure actuelle 5h30 du matin. J'ai reçu la notification. J'étais dans mon lit tranquille. Et là, je vois bip, un petit message. Je vois quoi? Durant le live de. Durant leur live, ils ont parlé de la sortie globale. Moi, je pensais réellement qu'ils allaient sortir l'année. Enfin, je pensais qu'ils allaient sortir en septembre. Mais enfin, en fin de compte, même pas. Hein. Et c'est un point positif, c'est un point positif. On va pouvoir faire des lives, on va pouvoir faire pas mal de choses entre Pokémon Unite, entre pourquoi pas My Hero Academia, on verra ce qu'ils vont nous faire d'ici les prochaines semaines, Marvel, Pokémon, futurs jeux, Jujutsu, Demon Slayer, etc. Du coup, il y a quoi comme récompense? Ok, il n'y a pas grand-chose. On s'en fout. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu parce qu'il fallait un VPN et qui plus est, j'avais énormément de déconnexions. Énormément de déconnexions et de crash, et là on va dire qu'on comprend un peu vu qu'ils nous ont donné la petite nouvelle concernant la sortie du jeu en version globale. Ah oui, ne vous inquiétez pas, je m'appelle pas Exterminator, hein, je m'appelle bien Kaku TVD. Ça c'est juste un titre. Hein. Alors, est-ce qu'on peut invoquer? Est-ce qu'on peut invoquer? Telle est la question. Draw, costume, ben on n'a pas grand-chose. Vous savez qu'il y a plusieurs systèmes d'invocation, etc. On va aller faire un peu de PVP, juste pour vous représenter le jeu. Enfin, de PVE plutôt que de PVP. Allez, on se téléporte. On prend le petit vaisseau et on va dans une autre planète. Xanders. Ça freeze un peu. Dommage qu'on ait pas la possibilité de pouvoir y jouer sur BlueStack numéro 4. BlueStack 4 plutôt. Allez, on speed. On y go. Donc vous le savez, vu que c'est un jeu, c'est un MMORPG sur mobile. Le mode auto est disponible. Hein.
Du coup, où il va m'emmener? Ok, ici. Skip. Et on va faire ça. Je m'étais arrêté au niveau 46 pour pas être, pour pas me dire, oh, je suis niveau 100. Il faudrait que je me retape toute l'histoire. Vous comprenez? Du coup, je me suis dit, je vais m'arrêter un peu. J'attends la version globale. Vu que qu'il faudra qu'on recommence tout. Et que je préfère être tranquille, pépère. N'empêche, ils ont bien fait tout ce qui est tout ce qui est chargement et tout. C'est pas mal. Ils ont prévu de sortir de nouvelles unités, bien sûr, de nouveaux personnages farmables. Et on va pouvoir les tester bientôt. Ouh, les dégâts. En vrai, là, la connexion est un peu plus stable, même si je suis en moins de 200 ms, elle est largement plus stable. Avant, je vous mentais pas que je prenais aux alentours de 200 jusqu'à 400, 500, c'était infaisable. Parfois, j'avais même des. Je pouvais monter même jusqu'à des 20 000 de ping. Et ça m'énervait, parce que je ratais des missions débiles. Ah, j'ai plus de stamina. Ah, j'ai plus de mana plutôt. Ok. Du coup, n'oubliez pas que la sortie du jeu est bien sûr prévue pour le 25 août. Du coup, dans pile poil un mois. Je vais essayer de vous stream également Pokémon Unite, les amis. J'essaie de trouver une façon de pouvoir stream Pokémon Unite. Oh, le petit Thanos. On va speed un peu. Nebula, Nebula. Ok. Parce qu'en fait, j'ai acheté la Nintendo Switch, mais il me faut tout le matos derrière, ça casse la tête. J'ai pas envie d'attendre jusqu'à septembre. Ouais, jusqu'à fin septembre pour pouvoir y jouer. D'ailleurs, concernant Pokémon Unite, la sortie est également prévue pour le 23 septembre. Par contre, les dégâts. Ah, mais c'est un boss. Ok, d'accord. On va utiliser quelques bouffes. Quelques boosts plutôt. Va reculer un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. J'ai vraiment besoin de m'y remettre pour les boss et tout, pour les esquives et tout. J'ai quasiment rien enlevé pour le moment. Elle m'a paralysé. Elle a pas. Oh là là. Bon, c'est le moment d'utiliser ça. Même si j'ai pas enlevé toute sa défense. Ok. J'ai bientôt mis de life. Par contre. En plus, j'ai pas utilisé. Ok. Là, c'est bon. Là, j'ai tous les buffs nécessaires. J'ai quand même une petite seconde, 2 secondes de latence, mais en vrai, ça va. Du coup, pour esquiver les compétences, c'est un peu chaud, mais ça va, ça va, ça va, ça va. En fait, faut que je détruise les poteaux. En fait, non, c'est bon, c'est bon. Faut que je détruise les poteaux autour, mais même pas besoin en fait. Par contre, elle est vraiment rapide. Si je volais un peu. Ok, il lui reste une barre. Wow, elle m'a buté. Oh, dommage. Dommage, on va faire ça.
Et on va la terminer sur ça. Ok. C'était un peu chaud. Bon, ça sera tout pour cette vidéo, les amis. C'est juste pour vous tenir au courant de la date de sortie de la version globale. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de lâcher le petit commentaire, le petit pouce bleu, de venir me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Discord, ça me fait énormément plaisir. Peace, et prenez bien soin de vous tout le monde. Ciao!